Hey hey, salut toi! J'ai passé une petite commande sur la boutique Elika Nounon dans l'Inde et je voulais partager ça avec toi pour que toi aussi tu puisses en profiter si jamais ça t'a envie. Voilà! Donc j'en ai eu en tout pour 16,48€ avec les frais de port qui étaient de 2,50€ et j'avais bénéficié de 20% parce que c'était les soldes. Donc je sais pas si quand tu verras cette vidéo ça sera encore les soldes. Voilà. Donc j'essaierai de te dire les prix au fur et à mesure si jamais je n'oublie pas. Pardon. Mais dans tous les cas, sinon ça sera marqué sur ton petit écran. Voilà! Donc dans cette commande, j'ai surtout fait mon petit plein d'estampes en filigrane parce que j'en ai quasiment plus et puis j'adore utiliser ce genre de bijoux, enfin ce genre d'apprêt, et également de la chaîne bronze parce que j'en avais plus du tout non plus. Et j'en ai profité aussi pour me refaire un petit stock de perles parce qu'il s'est avéré qu'il y avait certaines couleurs en perles que je n'avais pas et que la boutique proposait, donc je me suis fait plaisir. Voilà, alors d'habitude je te présente toujours les cadeaux vers la fin de la vidéo, mais cette fois-ci je vais le faire au début parce que ce qui est génial avec cette boutique, c'est que qu'importe ce que tu achèteras, tu auras toujours des petits cadeaux et ça c'est vraiment génial parce que ça fait toujours énormément plaisir. Comme d'habitude, tous les liens de la boutique seront en barre d'infos. Donc en cadeau, j'ai eu le droit à des jolies petites perles roses, ainsi que des petites breloques avec un masque de renard, un joli petit support camé argenté en forme de soleil, si on peut dire ça comme ça, oui, c'est un petit soleil, et un tout petit oiseau qui est tout mignon, tout mignon. Alors franchement, au niveau des cadeaux, elle se fout pas de nous du tout, hein. C'est vraiment génial, un truc de dingue. Donc en ce qui concerne ma petite commande, je vais commencer avec les perles. Alors ce qui est génial aussi, c'est qu'à chaque fois, la commande est emballée dans des petits pochons en organza et ça c'est super sympa. Parce que moi je les collectionne en plus, donc c'est super. Donc tous les petits sachets de perles sont à 40 centimes, mis à part celles qui sont en toupie et à facettes. Mais sinon, toutes les autres sont à 40 centimes et dedans, il y en a soit 20, soit 25. Donc j'ai repris moi j'appelle ça des bleus nuits parce que j'en avais pas du tout de cette couleur-là. Et donc du coup, j'ai pris deux petits paquets. Ils sont toutes jolies, j'aime bien. Ensuite, on va dire que c'est des bleus ciel. Et c'est pareil, j'ai pris deux petits paquets comme ça. Celles-ci où j'ai dit une bêtise, elles sont à 45 centimes, elles sont tellement magnifiques, j'ai craqué, je les adore. Et pareil, des couleurs comme ça, j'en avais pas du tout. Et j'ai repris deux petits paquets aussi. Celles-ci, je crois qu'elle les a appelées le bleu délavé, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'ai pris deux petits paquets. Couleur vert sapin, j'avais pas du tout de vert foncé, j'avais que du vert clair. Et ça, c'est tout génial. Donc cette fois-ci, par contre, j'ai pris qu'un seul petit paquet. Mais bon, c'est pas grave, hein. On pourra toujours en racheter. Ensuite, des petites perles à facettes. Celles-ci, elles étaient à 35 centimes le sachet. Et il y en a deux aussi. C'est les perles que j'utilise le plus souvent, c'est celles que je préfère. Et pareil pour ces perles à toupie qui étaient aussi à 35 centimes. Et encore une fois, il y a deux petits paquets. Voilà en ce qui concerne les perles. Ensuite, j'ai pris une petite boîte de paillettes couleur océan qui était à 80 centimes. Et j'adore la couleur, elle est magnifique. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai refait un stock de chaîne bronze parce que je n'avais plus du tout. J'étais vraiment à sec de chez sec. Et du coup, voilà, j'ai repris 4 petits sachets de chaîne bronze et il y a 2 mètres à chaque fois à l'intérieur. Donc du coup, j'ai 8 mètres de chaîne. Et le lot de 2 mètres était à 80 centimes. Elle est toute fine, elle est superbe. Ensuite, j'ai repris des petits connecteurs prime parce que ceux-là, je les adore et j'en avais plus qu'une, je crois. Donc du coup, j'en ai repris, bah, c'était un lot de 3, donc voilà. 3 petites plumes en connecteur. Et c'était 45 centimes les 3 petites plumes. Enfin petites, hein, tout est relatif. Elles sont magnifiques. J'ai également pris un support cabochon qui était à 35 centimes et du coup j'en ai pris deux parce que je les trouve trop jolies. J'ai également repris des petites bélières parce que j'adore les bélières, je trouve ça vraiment plus joli pour terminer un bijou. Enfin bref, moi j'adore ça, je crois que je commence à en faire une petite collection de ça. Donc du coup j'ai pris deux lots de 4 attaches feuilles qui étaient à 40 centimes, les 4. Je crois que celle-là c'est mes préférées. Et j'ai également pris 3 bélières forme triangulaire qui étaient à 30 centimes et du coup j'en ai pris 2 aussi. Ça fait un peu aztèque, ethnique, moi j'adore. Voilà pour mes petites bélières. Je me suis fait aussi plaisir sur les pendentifs pour la résine. Ou pas, hein, ce composant s'avère comme on veut, mais normalement c'est pour la résine. Donc j'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Les pendentifs en forme de goutte étaient à 45 centimes.
Les petits rectangles étaient à 56 centimes. Et les grands rectangles, pardon, étaient à 60 centimes. Et je vais finir avec les estampes filigranes argentées. J'en ai beaucoup en bronze, mais en argent, j'en ai quasiment pas. Donc, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc, à chaque fois, du coup, j'ai pris deux lots de chaque. Donc, on commence avec les plus grandes. Des grandes fleurs qui étaient à 50 centimes le lot de deux. Du coup, ça m'en fait quatre petites fleurs. Enfin, grandes fleurs. Là, c'est un lot de trois estampes fleurs pointues à 40 centimes. Et pareil, j'en ai pris deux petites. Enfin, deux petits lots. Et pour finir, 4 petites estampes en forme de losange qui étaient à 40 centimes. Le lot de 4 et du coup j'en ai pris 2 petits lots. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de ma petite commande, donc j'ai quand même pas mal de choses l'air de rien pour même pas 17€. Donc je trouve ça super avec les frais de port compris dedans. Donc c'est vraiment génial, moi j'adore cette boutique, elle propose plein de choses magnifiques et à vraiment un petit prix, donc c'est super sympa. C'est cool hein. Donc voilà, je crois que ça va être le moment pour moi de te dire au revoir. J'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller faire un tour sur sa boutique, hein. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Hein. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave. J'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Je te fais tout plein de gros poutous avant que je perde ma voix complètement. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.